Ok, cette fois-ci, c'est un freestyle en fait sur Edit à tester, et c'est Edit à tester les messages inbox. Je reçois beaucoup de messages inbox, et en général sur Facebook, Twitter, LinkedIn ou Instagram, qu'importe le réseau social, qu'importe le canal. Mais le petit souci, c'est que en général, les personnes ne vont pas droit au but. Le problème, c'est que quand vous envoyez un message en inbox à quelqu'un qui est occupé, ou un ami, un parent, même en général, parce que même si c'est une personnalité, on va dire qu'elle est occupée, elle est busy, mais c'est pareil, lorsque vous envoyez un message à votre patron, à votre ami, à un collaborateur, coucou, salut, et puis souvent c'est pas salut, salut, hein. C'est salut en message SMS, SLT, coucou, SLT, salut. Bonjour, c'est pas bonjour, bonjour, c'est BJR. Sérieusement, quand vous voulez que quelqu'un vous réponde, allez-y droit au but. Parce que la personne peut être occupée. Et imaginez comme moi, qui reçoit beaucoup de messages chaque mois ou chaque jour, et qui suis constamment occupée, 24 heures, ça passe énormément vite. Imaginez recevoir coucou. Allez-y droit au but. Bonjour, coucou, je voudrais que, je voudrais vous dire, merci de, est-ce que, bonjour, donnez l'objet de votre message en même temps pour que la personne puisse prendre rapidement une décision et réagir aussi rapidement. C'est important. Et puis même le fait même de dire, coucou, oui, mais t'as rien d'autre à faire de la journée. Qu'est-ce que tu veux exactement en fait? Vous allez remarquer que quand vous allez au droit au but, même si ça peut prendre un peu de temps, les gens réagissent. Je le dis parce que, en général, je zappe et je supprime tous les messages coucou, salut, SLT, BJR, bonjour, et où il n'y a pas un objet, vous n'expliquez pas la raison de votre message en même temps. C'est un petit conseil également qui peut être utile quand vous voulez contacter quelqu'un pour un événement, ou bien que vous voulez créer un groupe de travail avec quelqu'un, travailler sur un projet avec quelqu'un. Coucou! Ça n'est pas bon, ce n'est pas intéressant, d'accord? Donc c'est vraiment important de vous partager ça parce que je l'avais depuis longtemps dans le cœur, j'avais besoin de le dire en fait. Et je suis sûre qu'il y a plein de personnes comme moi qui sont dans la même situation que moi, qui ont besoin de recevoir ce genre de message où on va droit au but. Même moi, même mes collaborateurs également, quand je vois un « bonjour, bonjour madame, coucou » et il n'y a rien après, ça m'énerve. D'accord? Donc il est vraiment important de pouvoir faire ça. Dites directement l'objet de votre message et la personne a le temps de décider et de réagir aussi rapidement. Donc les coucou, les CC, les SLT ou les BJR sans objet, sans message clair, sans but précis. Et quand vous voulez que quelqu'un fasse quelque chose pour vous, dites-le directement. Sinon, ok, je vais mettre coucou. Et puis j'attends. Et puis après peut-être que je ne réponds pas. Et je ne suis pas la seule. Donc voilà, c'était un peu ça. Oubliez les coucous, dites bonjour, je voudrais faire ça avec vous. Bonjour, je voudrais réaliser ça avec vous. Bonjour, j'ai besoin de telle information. Et automatiquement, la personne a le temps de décider. Voilà, c'était Edit à tester les messages inbox qui n'ont pas d'objet, mais qui ont juste un coucou, qui ont juste un SLT et qui ont juste un BJR. Bye bye et à bientôt.